Yo tout le monde, je vous retrouve dans ma vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo que je vais appeler les changements de septembre, parce qu'il va y avoir des petits changements en fait. Les changements et tout ça, donc qu'il va avoir sur la chaîne. Donc, je tenais à vous en parler parce que en fait, ça fait à peine 2 mois que j'ai ouvert ma chaîne, puisqu'on commence au mois de septembre, donc ça fait 2 mois que je l'ai ouvert. Et en fait, vous avez beaucoup vu des vidéos back to school parce que bah, c'était la rentrée. Vous avez eu des vidéos vlog parce que je suis partie en vacances. Mais en réalité, vous n'avez pas vu mes vraies vidéos. Enfin, vous n'avez pas encore vu mes vidéos qu'il va avoir là sur la chaîne. Donc du coup, je vais vous parler un peu des vidéos que je vais faire. Il va avoir quelques petits changements. Il va avoir un petit changement sur la chaîne. Et je vais vous parler un peu des projets que je compte faire sur YouTube par rapport à ma chaîne. Donc voilà, donc je laisse avec la suite en espérant que de vous plaise. Donc pour commencer, la première chose que je devais dire, c'est qu'il va y avoir un changement parce que en fait, je vais faire une vidéo une fois par semaine parce que je trouve ça plus pratique parce que si je devrais en faire deux, ça serait un peu la galère. Donc il va y avoir une vidéo par semaine, donc tous les samedis à 10h, voilà, tous les samedis à 10h. Et moi, ça m'arrange pour tourner les vidéos, moi, la semaine, quand j'ai pas cours l'après-midi, où j'ai des permes, que je peux sortir en avance. Ça me permet aussi de pouvoir préparer mes vidéos et le montage. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve ça plus pratique. Et à 10h, pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, je suis chez mes grands-parents le week-end, parce que mes parents travaillent. Et vu que le matin, je suis chez moi et tout ça, c'est mieux pour poster les vidéos. Voilà. Donc c'était le premier changement qu'il va avoir et ensuite je vais vous parler un peu des vidéos qu'il va avoir sur ma chaîne. Alors le style de vidéo que j'aimerais faire déjà, je vais avoir des night routines car j'ai pas pu en faire pour la rentrée et tout parce que bah, mes parents étaient là et tout ça. Donc c'est vrai que c'était un peu dur de pouvoir vous les tourner et donc du coup je vais pouvoir les tourner là. Parce qu'ils travaillent, donc du coup, ça va être plus facile pour moi de les tourner le matin ou quoi, ou l'après-midi quand je rentre plus tôt, tout ça. Donc pour moi, c'est plus pratique. Donc voilà, il va y avoir ce style de vidéo. Ensuite, je compte faire des FAQ, des Ask, parce que vous ne me connaissez pas énormément quand même. Je viens juste d'arriver, donc vous ne me connaissez pas énormément. Donc posez-moi des questions, car je les mettrai sûrement dans ma FAQ ou quoi, qui va bientôt arriver. Et ensuite, il va y avoir des make-up. Voilà, si vous me les demandez, je ferai sûrement des make-up. Le room tour, ça sera pas de suite parce qu'en fait, ça sert à rien que je vous fasse un room tour. Parce que ma chambre, elle va changer l'année prochaine. Je la refais toute l'année prochaine, l'été, l'année prochaine. Je refais toute ma chambre. Donc pour moi, ça sert strictement à rien que je vous la montre pour le moment. Et je vous la montrerai plutôt quand elle sera toute refaite. Donc voilà. Ensuite, il va y avoir aussi bah, des vidéos. Challenge avec mes copines et tout ça. Il va y avoir des vlogs parce qu'il y a des projets, je pars en vacances. Donc voilà. Et voilà, ensuite il y a deux choses que je tenais à vous parler. Donc, deuxième chose, je vais avoir les bagues. En fait, je les ai déjà eues sur la première chaîne. Je sais pas si vous l'avez remarqué, j'avais déjà les bagues. Donc peut-être que vous l'avez pas vu encore. Donc voilà. Donc je vais avoir les bagues et. Du coup, voilà, c'était pour vous prévenir que j'avais les bagues et tout ça. Et je vais me faire arracher 4 dents. Donc, si j'ai du mal à parler pendant dans certaines vidéos, c'est normal. Donc, voilà, vous inquiétez pas. Et c'est ça que je tenais à vous dire en premier. Et autre chose, c'est que je suis en train de préparer mon logo YouTube. C'est un moment que j'ai réfléchi. Et donc là, ça fait à peu près un mois, tout ce mois-ci, je suis en train de le créer. Il sera sûrement début octobre, il sera sur ma chaîne, vous pourrez le voir, ce logo. Donc, je suis en train de créer sur plusieurs sites, faire plusieurs choses sur ce logo. Donc, voilà, c'est la chose que je tenais à vous dire. Et donc, du coup, une vidéo par semaine, pour moi, ça me convient parce que je rentre en quatrième. Et pour ceux qui me demandent aussi, parce que j'avais une chaîne avant. Et en fait, j'ai arrêté cette chaîne parce que j'étais en 6e et 5e. Et j'étais toujours dire quelle vidéo je vais faire sur YouTube et tout ça. Je stressais énormément parce que je ne savais pas quoi vous faire comme vidéo. Et mes parents, j'étais énormément déconcentrée en cours. Donc j'ai dû faire un peu un choix, on va dire, entre YouTube et le collège. Enfin, YouTube et mes études.
Donc, du coup, pendant un moment, j'ai arrêté ma chaîne et ensuite, en fait, j'ai eu un problème avec mes deux chaînes. Ils étaient tous les deux sur mon téléphone, mais mon téléphone a eu un problème, pas celui-là, un autre que j'avais. Et il avait un problème, on ne pouvait pas, en fait, il s'est éteint, il était bugué, on ne pouvait plus le rallumer, voilà, il était mort en fait, ce téléphone. Et donc, ma vidéo était dessus, je ne pouvais plus, je ne me rappelais plus du code, donc c'est tout marqué sur le papier, tout ça, mais j'ai tout perdu. Donc, ces vidéos, je ne pouvais pas les supprimer, malheureusement, sinon je l'aurais déjà fait. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai recréé cette chaîne maintenant parce que je sais le style de vidéo que je vais avoir. Si je peux pas faire vidéo, ben, je vous expliquerai pourquoi. Et donc voilà, mais maintenant je sais le style de vidéo que je vais vous faire. J'ai grandi, donc je sais comment m'organiser et tout ça. Donc voilà. Et du coup voilà, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée aussi parce que c'est le 5 septembre, donc je suis un peu en retard, mais bon, pas grave. Donc tout le monde est rentré hier normalement le lundi. Et du coup, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. Et moi, je rentre cet après-midi, puisque hier après-midi, je rentre les derniers, bien sûr. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée pour ceux qui me regardent. Et donc voilà, et c'était ce que je tenais à vous dire. Donc voilà. Donc me revoilà, donc oui, je sais, j'ai des lunettes, vous m'avez jamais vu avec mes lunettes. Mais aussi, voilà, c'est ça que je tenais à vous dire, j'ai des lunettes. Donc j'en ai pas spécialement besoin, c'est juste parce que... Ouais, attendez, parce que je vois pas là. Donc en fait j'en ai pas spécialement besoin de mes lunettes. C'est parce que des fois j'ai du mal à voir et tout. Donc si quand je suis en classe et tout, je suis obligée de les mettre, tout ça, mais je les porte pas tout le temps. Et là, vu que c'est la rentrée, je suis obligée un peu de les mettre. Donc voilà, c'est des lunettes que j'ai pas spécialement besoin. Donc voilà. Et elles sont endormies en salle. Je voulais vous les montrer parce que si vous me voyez avec des lunettes, que vous vous inquiétez pas. Donc voilà. Je tenais aussi à vous le dire. Donc voilà aussi. Donc là, je crois que je vous ai tout dit. Donc voilà. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!